Pierre LeBlanc, known by his fellow anglers as Scaly Pete. Daddy hunted sharks. I hunt sharks. It's in the blood. There was somebody better at this, you'd be following them, yeah? Well, people, we got a lot of wrong ideas about sharks. Scientists say how we gotta coexist. Now, how you gonna coexist with that shark, huh? Shark just wanna do one thing. That's kill you, eat you, and you out. What I do, I consider a sacred honor. Kill them all if I could. Too bad, ain't but 24 hours to a day. Shark spotted in Fonte Bayou. Huh. Several deaths reported. Shark can be identified by rusty harpoon embedded in flank. The f*** out of my way. Got a job to do. Salut dans ce tour pour une nouvelle vidéo, on est sur Maneater. This is an adult bull shark. Fast, fierce, and armed quite literally to the teeth. She has little to fear here in the Gulf. Ok, et on incarne un requin. Allô. Alors, par contre les touches c'est un peu n'importe quoi. Je change ça. Ok, ça va être mieux comme ça. Oh, j'ai un harpon planté à droite. Alors, ah, je peux courir avec la touche instinctive. Alors, et je peux mordre des poissons. The predator's 350 fearsome teeth are put on full display. Alors, attaque caudale pour renverser et immobiliser les cibles. Alors, faut que je m'approche, j'imagine. Ok. Oh, les petits, je les croque juste. Exhibiting behavior more common to a thresher shark, this bull makes creative use of her powerful tail. Alors, nager jusqu'à la surface à vitesse normale pour passer en mode prédation. Le mode prédation vous permet de raser la surface de l'eau et de traquer votre proie. D'accord. On va aller à la surface alors. A shark fin is a sinister reminder to humans that the ocean remains a wild and untamed domain. C'est pas un truc ultra réaliste, mais bon. Alors, je peux sauter en l'air. The bull performs an acrobatic feat worthy of an orca, cruelly imprisoned and put on display in a marine park stunt show. Et on peut dévorer les. Ah ouais, donc même si je mets la tête vers le bas, il plonge pas, il faut que je fasse ses The big fish plunges to the ocean below. Alors, je peux bondir en avant. Maintenez. The bull's speed is astounding ouais, ça, for a large marine predator. Ça j'avais compris. Alors, il me dit bon en avant en direction de la surface pour émerger. A breaching shark is a rare and calorie intensive spectacle. Ok. Maintenez ma charge sur un objet et appuyez sur. Alors. The force of a shark's tail can rupture swim bladders and break spines. Ah, faut que je maintienne. À chaque fois, je maintiens pas. Il est où? Je l'ai perdu de vue. Il est là. Ça va être un jeu sanglant, j'ai l'impression. Alors, plonge.
Ah, c'est comme ça, ok. Allez. Je l'ai mangé complètement. Ok. Maintenant, faut tuer des baigneurs. Bon. J'en ai déjà tué, je sais pas si c'était le plus malin du coup. Ah, il m'a échappé. Mince, tu sautes beaucoup trop, moi. Alors. Mince. Ah, faut tuer des baigneurs. Ça, c'est pas des baigneurs. On va s'approcher du rivage alors. Pas l'air d'avoir énormément de baigneurs. Ah, c'est là-bas. J'ai une barre de santé. Pour l'instant, j'ai pas pris de dégâts sur ma barre de santé, mais. Bon, on va voir. Pour l'instant, j'ai un requin super fort. J'imagine que j'aurai un requin beaucoup moins fort plus tard. Alors le plus simple, c'est encore les baigneurs dans l'eau. While it is well known that sharks feed on mollusks, fish, and seals, less discussed is their propensity to feed on fear. C'est pas ça que je voulais. Bah, c'était pas des baigneurs ça? Oh là, ça craint. Faut qu'ils soient dans l'eau sinon ça compte pas. Ça, c'est un baigneur. Ça aussi. Ça encore. Ça aussi. Je l'ai loupé? Ça, ça compte comme des baigneurs ou quoi? On dirait que oui. It must be emphasized that this sort of targeted violence is quite unusual for a shark. En effet, les requins n'ont pas l'habitude de dévorer des humains. Combat de bateau, vous pouvez atteindre des endroits plus élevés comme les ponts de bateau en maudissant bon aérien. Faites un bond en avant pour sortir de l'eau et mordre les humains sur les bateaux. Les humains armés vous traqueront avec une visée laser. Lorsqu'ils vous visent, faites une esquive avant qu'ils ne vous verrouillent pour les empêcher de viser et éviter d'être touchés. Ah, d'accord. Alors, F pour focaliser les ennemis à proximité lorsque vous êtes au-dessus de l'eau. Aïe. Ah, faut que j'esquive surtout. Je fais un peu de dégâts au bateau. Pas beaucoup de chasseurs. On en a chopé un. Bateau quand même. Ah, c'est plus simple d'avoir les chasseurs. Nickel. Alors F. Plonge.
Ah, ils me visent encore bien souvent. Ah, c'est des plongeurs. On va attraper les plongeurs d'abord. Heureusement, je régénère. Mais est-ce qu'il est lui? C'est les bateaux mon objectif, c'est pas tant les plongeurs. Ah, j'ai cassé le bateau. Ok. Où est le bateau encore? Ah, ça change la caméra F. Ça reste de choper les humains à bord du bateau. Faut que j'ai presque cassé le bateau. Aïe. Ah non, ça va. Look at them teeth. Oh, she gonna make quite a metal piece. On va voir ça. Ouch. Let's get her up on deck, huh? On board the Cajun Queen, Scaly Pete looks over the catch of the day. Yeah, this my daddy's iron, all right. But this ain't the shark. Not the one I was looking for. How do you know? How I know? Not big enough. This look like a mega to you. Oh, looky here. She's on for me. Hello! Are you mama in there? Oh. Well, why'd you do that? So I can identify next time I see her. When I spear her. Oh. The tiny pup responds with an instinct for survival. You never want to turn on the gamma. Visiblement, on arrive sur un duel requin versus chasseur de requins. Je sens qu'on va jouer le petit. Ça nous permet de commencer petit. Oh, voilà. Et le bébé requin. Manger la main. A famous big game hunter once posited that after un célèbre chasseur de gros gibier a un jour dit que lorsqu'un animal a goûté à la chair humaine, il renie sa proie naturelle dans une quête mortelle et déterminée pour le gibier le plus dangereux. Alors. Je visite une grotte. Je sais pas par où je suis censé passer. Est-ce que j'ai une carte?
Ouais, c'est par là. Donc je joue bien le petit. Je peux manger des poissons. Ah, ils font ma taille. Et les tortues aussi. Il y a un truc là. Alors, c'est un point de repère. Remember, when planning a cemetery, try to avoid high-risk coastal areas. Cimetière sous-main. La grotte est toujours là-bas. On va manger quelques trucs sur le chemin. Il y a un coffre ici. From the moment she's born, matériaux. The shark's cold, expressionless eyes are constantly on the watch for food. Oh, un poisson chat plus gros. On va le tenter quand même. Il se défend pas, donc ça va aller. Croc, croc, croc. Là, la surface d'air. Time is running out for this pelagic predator. Donc c'est bien ça le principe, c'est on peut l'attraper. Allez, mange le poisson chat. Crac, crac, crac. Despite the catfish's highly developed auditory system, lab tests reveal they still prefer CDs over vinyl. Alors, j'ai une grotte à aller chercher, moi. Oh, ça serait pas là par hasard? Wow. Even for sharks, it's important to create personal time for sober self-reflection. Alors, onglet évolution. Ah voilà à quoi me vont me servir les animaux apparemment. J'ai des cibles, j'ai des quêtes. J'ai la carte, c'est quoi mes quêtes? Au crochet des brochets, la fièvre du poisson chat. On va montrer à ce poisson Yankee ce qu'est l'hospitalité du sud. Donc on est en Louisiane à mon avis, avec des bayous qui sont des marécages. Atteindre le niveau de croissance adolescent, niveau 4. Ok. Et il voulait que je fasse un truc en évolution, mais je sais pas quoi exactement. J'ai des nouveaux trucs. Ça me coûterait beaucoup beaucoup de... Ah, c'est des chaînes d'ADN. Que je n'ai pas. Équipez votre nouvelle évolution de sonar avancé. Ah si, j'ai quand même chopé un sonar. J'ai pas besoin de le débloquer apparemment. Avec R. Ah, c'est pour l'améliorer. Ah, alors attendez. Je viens de piger. Je l'ai débloqué, il faut que je l'équipe. Mais peut-être qu'il faut que je sois dans la grotte pour pouvoir le faire. Organe. Continuez. Les nutriments sont des ressources obtenues en mangeant des animaux et des humains, détruisant les bateaux et en terminant les quêtes. Et les évolutions sont des mutations qui vous confèrent de formidables pouvoirs tels que l'armure cartilagineuse, des glandes à poisson ou encore des organes bioélectriques. Vous obtiendrez ces évolutions en atteignant de nouveaux rangs d'infamie et en terminant des quêtes de points de repère et en tuant des prédateurs suprêmes. Pour équiper les évolutions, retournez dans la grotte, appuyez sur I. Vous pouvez dépenser des nutriments pour améliorer vos évolutions. Donc je l'ai équipé. Et corps. Ok.
On va garder cette Exhibiting behavior more common to whales and dolphins, this shark is able to use biosonar to locate potential prey. J'ai l'impression que mon truc de vitesse va pas très vite. On voit très bien sous l'eau. Ah, lui il me dit qu'il me rapporte de la... Ah, je peux manger les morceaux de viande après. De... C'est pas du miel, mais... La fièvre des poissons-chats, il faut que je tue des poissons-chats. D'accord. Un petit coup de sonar. Allons, plonge. Ah, c'est que des gros poissons-chats. Les autres petits morceaux, je peux pas les manger. Oh, il y a un alligator dans l'eau. Combat d'animaux sauvages. Les animaux sauvages peuvent être hostiles. Faites une esquive pour éviter leurs attaques. Lorsque les animaux sauvages brillent, cela signifie qu'ils sont vulnérables. Attaquez tant qu'ils sont vulnérables pour les immobiliser. Si votre taille est supérieure ou égale à celle d'un animal sauvage combatif, vous pouvez le secouer pour garder le contrôle s'il est vulnérable. Lorsque vous avez un objet dans la gueule, maintenez puis agitez pour secouer. Alors, et on peut focaliser les animaux. Pour l'instant, on va juste éviter. Je sais pas s'il faut que je le combatte ou si je peux me... en passer. Ah, c'est les petits poissons chats qu'il faut que je mange. Alors. Ah, par là aussi. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que ce que j'aurais pu rêver. Ah, c'est une bestiole agressive ça. Aïe. The shark is hurt. At this point, it needs to focus on self-care. Such as meditation or in-home spa treatments. J'ai l'impression que le combat est très inéquilibré. Avec les petits d'abord pour m'entraîner. Il manque juste un poisson chat. The overhunting of Fautix Keystone predators has led to a superabundance of catfish, which is just fine by local bully Rosie the alligator. Ouais, je peux...
massacrer. Ah, je peux l'éviter. On va croquer un petit truc. Régénérer. Ah, ça va, je m'en sors pas mal. Hein. Je pense que c'est pas juste parce que je suis monté au niveau 2. Aïe, ok, on s'en va. Aïe, je suis mort là? Non, il me reste encore un peu de vie. C'était chaud. Je sais pas d'où viennent toutes ces bulles. The peace of the grotto enables the shark to approach the world with greater confidence and effectiveness. Donc je suis un bébé niveau 2. Je fais 1m20. Et il faut que j'aille m'occuper des brochets. Ici. Ah, il faudrait que je passe plutôt de ce côté là. C'est pas ça. Encore plus pâle. Ça passe là? Oui, ça passe. Très bien. En particulier que je dois attraper. Bon, il est plus gros que moi donc je peux pas le saisir. Vraiment. Ah, ça c'est là qu'il est faible, je crois. Il se cache, il fait quoi hein? Or muskie is a freshwater fish commonly found throughout the Great Lakes region, so I have no idea what it's doing here. Ah. J'ai fini de croquer, non? Je suis censé pouvoir les secouer, les plus petits. Je crois qu'il faut que je les attaque quand ils sont faibles pour pouvoir les secouer. Voilà, comme ça. Alors, on a fini nos deux missions du coup. Des trucs à récupérer. Ah, j'ai pas d'autres. Ah. Reste. Des morceaux. Ah si, donc c'est des morceaux tout à l'heure, je crois. Ah ou alors c'est le poisson. Ça permet de repérer les trucs un peu spéciaux.
genre des points repères. I have one of those new pop-up tub stoppers at home, and let me tell you, those things are just a magnet for hair and debris. C'est un truc de... C'est un bouchon de baignoire? Qu'est-ce que ça fait dans un lac? En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt dans le suivant.